Mesdames et messieurs, veuillez boucler votre ceinture et visualiser les sorties de secours. Notez que le cellulaire ou tout autre appareil électronique est formellement interdit en ces mains présentement. Nous vous souhaitons un bon gala au mérite scolaire Louis-Saint-Laurent, ayant pour thème « Célébrons Louis ». Pour débuter ce gala, nouvelle formule en beauté, c'est avec plaisir que nous présentons le retour du stage band Louis-Saint-Laurent sous la direction de maestro Mme Isabelle Cournoyer. Félicitations à nos musiciens. Maintenant, veuillez applaudir vos animatrices pour cette période, Mesdames Victoria Lamontagne et Abigail Brodeur. Merci Julien. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition du Gala des mérites de la polyvalente Cité-École Louis-Saint-Laurent qui débute cette année sous une toute nouvelle formule. Merci Victoria. Bonjour tout le monde. Veuillez aussi applaudir nos assistants, plusieurs élèves de votre Parlement de la Cité qui vous ont accueillis et aideront à distribuer les certificats. On les applaudit. Voici enfin quelques dernières précisions avant de commencer officiellement la remise de prix. Premièrement, lorsque nous inviterons des personnes gagnantes à venir chercher leur certificat sur scène, nos musiciens accompagneront de musique leur marche vers la scène. Ce n'est qu'à leur sortie des élèves gagnants qu'on applaudira afin de limiter les blessures à vos pauvres mains occupées à applaudir trop souvent. Vous nous remerciez plus tard. Je vous rappelle que c'est quand même mieux d'utiliser vos mains à applaudir qu'à écrire en classe. De plus, lorsque vous obtiendrez vos certificats, nous vous demandons de vous tourner vers le public afin de vous faire remarquer. Deuxième et dernière précision, la tâche des enseignants sur scène sera seulement de donner les bons certificats aux bons élèves. On vous demande aussi de gentiment amener les élèves à sortir du côté cafétéria afin de les faire photographier avec eux, avant de revenir en salle. Pas trop compliqué l'épreuve, c'est bon pour vous. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, on vous invite quand même de parler au micro, remerciez-nous. Alors, nous allons débuter avec ce qu'on appelle les prix profils. Ce sont les prix qui concernent chacune des différentes matières. Aussi, on aura un support audiovisuel de vos enseignants qui vous diront un bonjour et en équipe de département. Sachez aussi que chaque élève gagnant recevra un montant de 20 $ offert par la Fondation Louis-Saint-Laurent. Merci, Fondation. Enchaînons donc avec la première matière. Laissez-nous vous la nommer. Du sport, hein? OK. Pour ceux qui n'avaient pas compris, on faisait l'exercice. Alors, partons la vidéo de nos profs qui font semblant de faire de l'escalade. Pour l'éducation physique et Rebecca Demers. Félicitations!
Ses inconvénients, ses conditions, ainsi qu'amorcer une discussion franche et sincère, afin que nous trouvions d'un commun accord un point de vue respectueux, appuyé par des repères tels que des normes, comme des lois et des règles ou des valeurs, dans le but ultime d'éventuellement accepter l'opinion de l'autre, tout en sachant pertinemment que toutes les opinions ne se valent pas. Veillons à ne pas utiliser d'entrave au dialogue qui pourrait grandement affecter l'honnêteté intellectuelle de notre dialogue. C'est parfait. Je suis prêt à débattre et argumenter avec toi, évidemment. Mais avant, inspirons-nous des enseignants d'éthique. Vidéo, pour favor. Vous avez beau demander l'aide des dieux, questionner l'au-delà. Vous êtes également tourné vers la psychologie humaine, les comportements humains et la philosophie. Vous n'y arrivez toujours pas. Venez en éthique et culture religieuse. L'ayant conçu. Allez, fais un effort, un peu de créativité, s'il te plaît. Pour t'aider, je te conseille d'être inspiré des profs d'or au travail et des critiques en devenir. Vidéo. Un œuvre de Picasso.
La comble un vide dans le monde. Je vois un restaurant italien. Quel beau sourire, pensez à l'écriture. Et les bonnes pâtes, les matières à afin de remettre les fameux certificats aux gagnants. L'artiste méritante pour les arts plastiques est Amélie Deblois. Félicitations! Ouvrez vos oreilles et appréciez. Mesdames et messieurs, allons leur montrer nos talents de percussionnistes. Bon, je pense qu'on est mieux de laisser la place aux pros, hein? Isabelle pendant 30 secondes. Le musicien méritant pour la musique est Mathieu Cummings. Félicitations! La matière qui s'en vient, voyons du côté encyclopédique de quelle matière s'agit-il.
D'accord, cher collègue. Alors voilà, nous sommes rendus à la science qui étudie par le biais du raisonnement logique et éducatif les propriétés et les relations qui existent entre les objets. Parmi ces objets abstraits, on note les nombres, les figures géométriques, les fonctions, les espaces, etc. Avant d'annoncer les élèves gagnants, allons plutôt voir vos enseignants de maths plus dynamiques qu'une équipe de soccer avant un match final. Mathé! 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 Sur la scène, Madame Anne Saint-Laurent. Nous invitons également Stacy Pearson, la mathématicienne méritante, à descendre sur scène. Félicitations! Prochaine matière. Adapté pour ton niveau, bien sûr. Question que tu ne sois pas embarrassé devant les spectateurs. Question 1. Quel est le nom de l'actuel président des États-Unis? Bonne question. Ouf, je savais que c'était un peu trop compliqué pour toi. C'est Joe Biden en passant. On la passe. Alors, deuxième question. Cette matière n'étudie ni futur ni passé. C'est de l'univers social, mais sur l'actualité internationale, sur l'économie, sur la politique mondiale. Quel est le nom de ce cours? Ah, c'est monde contemporain, je suis bien trop bonne. Bravo! Allons voir la courte capsule des profs d'univers social, plus ceux de la troupe de théâtre de notre école. Univers social! Cinquième question. Quelle ville est la plus dispendieuse?
invitant Mme Rosalie Nadeau à venir remettre les certificats sur scène. La spécialiste du monde contemporain est Élodie Roy. Félicitations! Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là, Einstein? Ça se voit pas? Je tente de me concocter une préparation maison contre remède à la COVID. Oui, oui, j'ai vu ça sur Internet. Maintenant, je fais mes propres recherches. Alors, pas de danger. Je vais révolutionner le monde pharmaceutique. Just watch me. Hey, c'est super, hein? Puis est-ce que le site web consulté fournit le lift en ambulance? Il te rembourse si jamais ça marche pas? Pas sûr. Ah, puis laisse faire. On va regarder les profs nous faire une vraie démonstration scientifique. À venir remettre le certificat. L'élève scientifique méritant est Sandrine Roy. Félicitations! My dear co-animator, why don't we try to present the next subject completely in English? Would you be ready to take up this challenge by putting forward your best accent? Oh, what a good idea, Vic. Since students who excel in this subject should understand everything, right? But what about the rest of the audience? Will they understand correctly? Bah, no big deal. You know, tell yourself that it will give them a break and they can think of something else during that little time. In addition, it will only encourage them to want to learn better for the rest of their high school. What do you say about that? Oh, I agree for once to say something intelligent. Finally, let's do this then. I didn't get all this. I just said, oh, I agree. You're so intelligent. Finally, let's do this then. Yes, that's it. Let's watch our teacher said help. To us. Let's celebrate English. To give the certificate, we asked Rosalie Nadeau to join us on the stage.
Rosalie really likes to travel in Ontario to speak English with every person, especially those in National Park. And the good English speaker student is Jeannick Perron. Congratulations. Avertissement. Plusieurs fautes seront entendues dans les prochaines phrases. Ne paniquez pas, c'est voulu. Si je serais plus dans les coudes, je penserais au bain qu'on achève la partie des profils avec cette dernière masseur. Puis vu que le monde sont encore là et qu'ils jouent encore de la musique, on peut bien continuer à nominer des gens, tant qu'à, si t'en penses. M'a dire comme toi, tu fais bien de me rappeler qu'on achève quand même. Je te félicitationne pour ton accent, t'es quand même comprenable, mais tu rusherais toujours bien à te faire comprendre dans toutes les situations, m'a dire. Ah, voici donc le dérèglement technique qui nous affligeait. Et maintenant que nous avons pu sélectionner la bonne langue, le tout devrait être d'une clarté d'eau limpide provenant d'une source montagneuse, favorisant ainsi une meilleure compréhension chez tous nos spectateurs qui... Voyons plutôt comment nos profs s'amusent sans nous. Veuillez savoir l'immense gentillesse de démarrer la vidéo. Le français, c'est à nous rejoindre sur scène, ainsi que l'élève méritant suivant, Léa Labranche. Nos plus sincères félicitations. C'est maintenant ce qui met fin au prix profil. Voici maintenant les prix méritants, élite et soleil. Pour savoir avec quelle catégorie les prix, nous débuterons cette section. Regardons la vidéo suivante qui nous donne un aperçu du comportement de certains enseignants dès que le 16h arrive. Les prix méritants! Les élèves qui gagneront les prix méritants démontrent de la patience et de la persévérance devant les difficultés. Nous invitons Mesdames Sonia Delrisseau, Caroline Dumas et Jacinthe Mercier pour remettre les certificats à leurs élèves. Et Yannick Bourassa pour les élèves de la seconde à 5. Le 20 $ par élève sont remis par le Conseil de la persévérance, la réussite et de l'excellence scolaire. Sont pour l'adaptation scolaire Mathis Livernus et Jason Simard-Lotard. Pour l'alternative, Thomas Goyette et Jessie Lafortune-Archambault.
Richard Patry, Mathieu Cummings et Annabelle Blouin. Durant l'année scolaire. Nous invitons M. Tommy Poulin, directeur de la polyvalente, à venir remettre les prix aux élèves sur la scène. En cinquième secondaire, Camélia Routier, Sandrine Roy et Léa Labranche. Les élèves gagnent la bourse Michael Sévigné, mériteront une bourse de 500 $ chacun. Celle-ci se veut un gage d'encouragement pour les études au secteur professionnel. Les critères de sélection ont porté sur la détermination à réussir et à poursuivre leurs études. Nous invitons Mme Joanne Pinette ainsi que M. Charles Labrie à venir nous rejoindre afin de dévoiler les deux lauréats. Salut tout le monde. Moi, encore des quelques minutes, pas plus. Est-ce qu'il est là, monsieur? Là, oh, pas loin. Hey, non, ça fait deux ans, je parle pas. Écoutez, la bourse Michael Sévigné, à tous les cinq ans, on fait un petit rappel pour dire vous saviez, c'est pas tombé du nuage informatique, cette affaire-là, on pèse pas sur le bouton, puis l'argent sort. Joanne, ainsi ma chère Joanne, qui est l'épouse. Bruno, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, donc je fais office de suppléance, ont perdu un de leurs deux enfants, Michael, en 2007. Ça fait 15 ans maintenant. Bruno nous a contactés au moment, dans les journées qui ont suivi, pour demander si on accepterait de l'argent au lieu des fleurs pour aider notre école au niveau de la fondation du Conseil Persévérance. Ce qui a été fait, les Sévigny, ils sont tous passés par la polyvalente ici, entre les années 80 et 90, les cinq enfants. Et Bruno, pas suffisamment satisfait de lui donner juste de l'argent suivant les funérailles de notre cher Michael, qui était dans notre classe d'ailleurs à ce moment-là, qui espérait faire un diplôme en études professionnelles dans les mois qui suivaient son décès accidentel, un accident de travail. Eh bien, il nous a confirmé qu'avec ses amis, les gens de Whedon, cette année, il montrait le Kilimanjaro en Afrique avec la cotisation des gens qui voulaient bien fournir, ce qui fait qu'il a ramassé plusieurs dizaines de milliers de dollars dont nous avons bénéficié pour la Fondation Louis-Saint-Laurent, le Conseil Persévérance et la Bibliothèque Michael Sévigné de Whedon. Alors, ça fait 15 ans. On pensait qu'il y avait un engagement de 10 ans. On a donné actuellement 15 000 $ depuis les 15 dernières années, 1 000 $ par année, 500 $ par bourse de DEP. 29 de nos élèves qui ont continué en DEP ont pu en bénéficier. Et cette historique-là est importante parce que c'est nos grands, grands, grands donateurs pour tout notre secteur, des gens bien enracinés ici. Puis je veux, au nom de toute la population et de tous nos jeunes qui sont ici, de nos dignitaires, nos collègues dans l'enseignement, les remercier pour le soutien financier. On est dans une des commissions scolaires, un des territoires, pas juste la commission scolaire, mais les plus pauvres du Québec. On est classé 10, mais on s'en tire très bien au niveau de la réussite scolaire et du taux de persévérance.
Alors, merci à toute la famille Sévigny pour leur soutien au cours des 15 dernières années. Bon, je dis bonsoir parce qu'habituellement, ça se passe le soir. Excusez-moi, bon après-midi. Je souhaite un beau bonjour à tous les étudiants et professeurs et Charles. Je m'avais demandé ce que ça soit court. Ça a été possible, Charles. Merci. La bourse Miguel Sévigny, cette année. Ce lauréat est un jeune homme exceptionnel, de nature joviale. Il a su se dépasser et a travaillé sans relâche pour obtenir ses préalables afin d'accéder à son diplôme d'études professionnelles. Cet élève a parcouru un long parcours pour arriver à sa fin grâce à sa motivation et à sa détermination. Nous lui souhaitons le meilleur pour la poursuite de ses études en entretien général d'immeuble. La bourse Miguel Sévigny est remise à Benjamin Auger. Se démarque par sa grande détermination, et son implication dans son travail, que ce soit au secteur jeune, tout comme au secteur professionnel. Sa motivation débordante et son organisation légendaire font d'elle une personne unique en son genre. Le prix l'a obtenu, son 4e et 5e secondaire, en une année, travaillant à la sueur de son front, tout en poursuivant un DEP en usinage 3 jours semaine. Nous sommes très fiers d'elle, mais elle est absente et nous la félicitons quand même. Il s'agit de Julie Patry. Pour les prix soleil, pas besoin de mettre de crème solaire ni de lumière fumée. Ces prix visent à récompenser des élèves qui sont appréciés par leurs collègues pour leur bonne humeur, leur entre-gens et leur sociabilité. On invite Mme René-Claude Leroux, qui n'est justement pas très loin, à venir remettre les prix ainsi que Mme Mélanie Auclair et aussi Caroline Dumas pour l'adaptation scolaire. En 5e secondaire, la récipiendaire est Abigail Brodeur. Et Yann Dallaire. Puis pour l'adaptation scolaire, la récipiendaire est Laurie Rousseau. Qui est appréciée de ses pairs à cause de sa bonne humeur et de sa sociabilité. Nous invitons Mme Naomi McMahon et de Place aux jeunes à venir sur scène afin de remettre et d'annoncer le nom de la, de ou du lauréat. Allez lui remettre son prix, pardon. Nous tenons à souligner que nous sommes très fiers d'accueillir aujourd'hui cet ancien élève de l'école qui a marqué les gens qui l'ont côtoyé pendant son secondaire par sa personnalité positive, rayonnante et son engagement dans différentes activités. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui et de remettre ce prix-là. Ce que Place aux jeunes a choisi de remettre à la personne gagnante, c'est un certificat cadeau de 100 $
à dépenser à l'endroit de son choix dans le Haut-Saint-François. Donc, j'y vais sans plus tarder. Le prix personnalité Louis-Saint-Laurent est remis à une jeune fille de 5e secondaire. S'est démarquée parmi ses pairs grâce à sa gentillesse et son plaisir d'être en gang. C'est une fille extraordinaire qui est toujours là pour les autres. Elle est aussi généreuse que travaillante. Elle est appréciée de tous. Le prix personnalité Louis-Saint-Laurent est remis à Sandrine Roy. Du Québec. Le prochain prix récompense un élève de secondaire 5 ayant participé activement à sa réussite et ayant été persévérant malgré les difficultés. La bourse au montant de 100 $ sera remise par M. Sylvain Mixwin, attaché politique de M. François Jacques, député provincial de Mégantic. Nous l'invitons à venir sur scène afin d'annoncer le nom de l'élève récipiendaire et lui remettre une bourse ainsi que la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Alors, bon après-midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous cet après-midi au nom du député François Jacques. La médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise à un élève de 5e secondaire qui a fait preuve de persévérance malgré les défis. Ce jeune homme a fait des bonds de géant depuis l'an dernier. Il s'est même inscrit en chimie, physique et mathématiques SN4 forte, et cela même si la charge est énorme pour lui. Il s'investit dans ses cours et il s'est beaucoup amélioré du côté organisationnel. La médaille de l'Assemblée nationale est remise à félicitations à Jacob Bellavance. Pour son engagement social et communautaire. L'élève méritante recevra une tablette, une grâce aussi du Centre des services scolaires des Hauts-Cantons. Le prix sera remis par M. Martial Godreau, directeur général du Centre de services. On l'invite à se présenter sur scène afin de présenter l'élève gagnante. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup là, pour l'organisation de ce beau gala. Hein, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu d'événement comme ça en présentiel et ça fait beaucoup de bien. Donc, félicitations aux élèves. Alors, je suis ici pour remettre la bourse pour l'engagement dans la réussite, catégorie secondaire, école Louis-Saint-Laurent. L'engagement et le dépassement sont des valeurs importantes de notre centre de service et ce sont aussi des valeurs qui caractérisent l'élève qui remporte le prix. Cette étudiante qui remporte la bourse, qui prend la forme d'une tablette, fait preuve d'assiduité et d'effort pour atteindre de bons résultats. Ses enseignants sont unanimes. Malgré ses difficultés, elle s'implique dans ses apprentissages et prend tous les moyens pour obtenir les résultats désirés. Ses travaux sont toujours clairs et complets. L'école est une source d'enrichissement pour elle. Donc, pour l'année scolaire 2021-2022, la lauréate de la bourse est Daphné Drapeau. Excellent rendement académique durant l'année. Nous avons fait des tirages parmi les élèves qui ont obtenu les 10 meilleures moyennes générales lors du premier bulletin pour chaque niveau. Nous avons effectué 3 tirages par niveau et les élèves gagnants recevront un certificat cadeau de 20 $ gratuité de la Bibliérie GGC. Nous invitons Mme Nancy Mathieu à venir remettre les certificats aux gagnants. Voici les gagnants qui peuvent venir prendre leur cadeau sur la scène.
Mali Pigeon, Stacy Pearson et Naomi Gagné.